MGZ, bah ouais! Ton premier live post-vidéo, ouais, il est où? Là, voilà, c'est 69 000. Hein. Un pauvre. Il a pas stream depuis combien de temps? 12 avril 2022. Putain, trop sad cette histoire en vrai. J'en parle assez régulièrement, parce que vraiment, ça m'a marqué ce truc-là. Pas histoire. Oh, j'en ai parlé plein de fois. En gros, pour résumer, c'est Squeezie a fait une vidéo pour booster un petit streamer qu'il avait pris un peu au pif. Et au final, ce mec en question, qui n'était pas vraiment préparé à ça, pas du tout même, s'est retrouvé complètement dépassé par les événements et a décidé d'arrêter de stream, en fait. Et il se faisait méga bully dans tous les sens, et voilà. Il était pas du tout préparé à ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment passé de quelqu'un qui faisait des lives à 20 viewers à quelqu'un qui fait un live à 69 000 personnes, du jour au lendemain. Donc, généralement, bah, t'as plutôt une marge de progression plus progressive, on va dire, pour te préparer un peu à tout ça. Et là, c'était pas le cas, donc voilà. Et du coup, il n'a pas supporté le truc et il s'est fait cracher dessus parce que bah, y a plein de gens qui lui disaient « Ah, tu sais pas la chance que t'as, c'est indécent que tu fasses ça, machin et tout. » Sauf qu'en fait, ce mec n'avait jamais rien demandé, en fait. Et du coup, bah, au final, ça s'est pas très bien passé, quoi. Et du coup, il a pas stream depuis quasi un an. Et même avant, en fait, je me souviens qu'il avait pas stream depuis plein les mois. Et il était revenu pendant genre une semaine. Il avait dit « Allez, c'est bon, j'ai fait un burn-out, machin. Mais là, c'est bon, je suis bien et tout. » Et au final, non. Pas la chance que t'as de la part de gens qui ne savent pas non plus ce que c'est. Non, mais bien sûr. En vrai, personne voudrait ce coup de projecteur aussi soudain, en fait. Ou très peu de gens seraient armés pour pouvoir supporter un truc pareil, je pense.